Un joli clin d'œil. Ce mercredi 15 février, la nouvelle star soufflait sur sa 20e bougie lors d'un anniversaire diffusé sur M6. Emblématique vainqueur du télécrochet, Julien Doré tenait à être de la partie. Ça a littéralement changé ma vie. Mon caractère, ma sensibilité aurait fait que, je pense, je ne serais pas là aujourd'hui avec mes chansons. J'ai mis vraiment l'idée, quand même au quotidien, dans ma tête quand j'y pense, que me dire que si est grâce à notre rencontre, grâce à ce moment-là, grâce à l'existence de l'émission à ce moment-là dans ma vie, grâce à ce choix de faire ce casting que j'ai la chance aujourd'hui de faire ce que j'aime. J'ai mis bien l'idée de garder ça en tête, a-t-il livré non sans émotion. Et le moins que l'on puisse dire, si est qu'il s'est donné en retour. Ainsi, il a rejoué son casting raté avec Virginie et Fira, au cours d'un sketch hilarant. Et il a fait sensation sur le plateau en interprétant à nouveau moi, Lolita d'Alizé. Si est Marianne James qui lui en a fait la demande. Alors qu'elle avait peur qu'il l'envoie bouler, la jurée a eu la jolie surprise que Julien Doré se mette au piano pour reprendre ce titre qui l'a rendu célèbre. Tu veux que je tienne le micro ? Lui a instantanément proposé Karine Le Marchand, qui animait cette soirée d'anniversaire. Ce qu'il a accepté volontiers, tout en lui précisant, ça va être un peu long, Karine, excuse-moi. Il ne fallait pas davantage pour que le naturel revienne au galop. Cette allusion sexuelle de Karine Le Marchand à Julien Doré connu pour son humour grivois, la présentatrice de l'amour et dans le pré n'a pu s'empêcher de faire une allusion sexuelle. Je ne fais pas de vanne, avait-elle promis dans un premier temps, avant de poursuivre dans la foulée, mais je n'ai déjà tenu des plus lourdes. Une phrase qui a provoqué l'hilarité en plateau est celle du principal intéressé. Ça me touche beaucoup et ça me vexe, a-t-il répliqué, amusé. Et de reprendre son sérieux, est-ce que vraiment, au quart régie, on va pouvoir garder cette intro ou je la refais, du coup, peut-être que je la refais, non? Ce jeune père de famille a ensuite pu reprendre sa chanson. Toutefois, Karine Le Marchand ne maîtrisait pas totalement le port du micro, puisque Julien Doré a dû intervenir. Tu peux le baisser un petit peu? Parce que là je me fais mal à la nuque, lui a-t-il demandé absolument pas discrètement et la faisant hurler de rire. Pas de doute, son passage restera dans les annales.